Salut à vous, fidèles auditeurs de la chaîne panafricaine Info. Nous espérons que vous allez super bien ce nouveau jour. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro que nous avons réalisé spécialement pour vous, nous allons faire un tour ensemble du côté du Burkina Faso, chers auditeurs, pour vous parler de cette décision historique qu'a prise le président actuel du Burkina Faso, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, dans le but de sortir son pays, le Burkina Faso, de la dépendance totale vis-à-vis de la France. En effet, chers auditeurs, si vous ne le saviez pas, selon les informations qui sont encore pour le moment confidentielles et qui nous ont parvenu il y a de cela quelques heures seulement, chers auditeurs, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aurait donné l'ordre selon laquelle l'on puisse amasser assez d'or dans le but de fabriquer une monnaie locale et ne plus être dépendant de la France. Plusieurs Burkinabés, chers auditeurs, encouragent le président actuel Ibrahim Traoré dans cette démarche, car plusieurs Burkinabés, plusieurs Africains ne veulent plus que la monnaie de leur pays soit imprimée en France. C'est donc la raison pour laquelle, chers auditeurs, une grande manifestation se fera voir dans les jours à venir du côté de Ouagadougou et dans plusieurs autres villes pour soutenir cette démarche du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Et vous, chers auditeurs, que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que le Burkina Faso sera à mesure de gérer sa propre monnaie? N'hésitez pas à laisser votre commentaire concernant cette question. Le capitaine Ibrahim Traoré a ainsi invité tous les Africains et tous les panafricanistes à être derrière le peuple du Niger et à les aider à surmonter les sanctions inhumaines et incomparables de la CEDEAO contre le peuple malien. Et nous espérons, chers auditeurs, que dans les jours à venir, le capitaine Ibrahim Traoré sera en mesure de surmonter toutes les épreuves de terrorisme qui règnent dans son pays et que la paix pourra régner dans son pays également dans tout le Sahel. Nous allons vous donner, chers auditeurs, plus de détails concernant tout ceci dans nos prochaines vidéos. Nous vous invitons non cependant à rester connectés sur Hier Info, votre chaîne numéro 1 de l'actualité de l'information. Nous allons cependant rendez-vous très prochainement à une autre vidéo pour un nouveau sujet. D'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Bye.